بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Alors je vais continuer, incha'Allah, à répondre à certains pseudo-salafis qui sont présents dans ce site, donc sur Dailymotion. Et j'aimerais réagir encore une fois à propos du terme wahhabite, donc concernant l'appellation wahhabite. Alors, j'entends encore et toujours que le terme wahhabite ne serait pas approprié et que nul d'entre eux n'en accepte l'appellation. Et là, la raison évoquée serait que le fondateur de cette secte se prénommait Muhammad et qu'il était donc le fils de Abd al-Wahhab. Ma réponse est la suivante. Vous connaissez tous l'illustre savant Ahmed ibn Hanbal. Son prénom était Ahmed. Il était donc le fils de Hanbal. Pourtant, les gens qui suivent son école, ne les appelle-t-on pas les Hanbalites? On ne les appelle pas les Ahmadites, à ce que je sache. Le terme Hanbalite, est-ce pour vous un sobriquet ridicule? De plus, vous vous réclamez de son école. Et Inch'Allah Ta'ala, je vais prouver aux gens qu'il n'en est rien du tout. Donc, vous voyez bien que ces gens sont tellement menteurs qu'ils accumulent les faux prétextes, mais le mensonge a toujours une faille et recevra toujours une réponse venant de la vérité. D'ailleurs, ils ne prennent même pas le temps de réfléchir et balancent leurs soi-disant preuves en voyant que ça ne marche pas, ils passent à une suivante. Mais sachez une chose, les wahhabites, on aura toujours une réponse à vos mensonges. Et comme je l'ai dit, vous avez choisi de suivre un homme nommé Muhammad ibn Abd al-Wahhab et vous n'acceptez pas l'appellation de wahhabite. Tout ça pour mieux tromper les gens. Vous voulez absolument vous cacher derrière l'appellation de salafi. Alors, on avait vu dans la précédente audio que les wahhabites attribuent à Allah Ta'ala le fait d'être au-dessus du ciel, au-dessus des 7 cieux, c'est-à-dire au-dessus du trône. Donc ils attribuent à Allah Ta'ala le fait d'être localisé dans un endroit, donc automatiquement qu'il serait limité. Maintenant, je vais vous faire écouter un des leaders du pseudo-salafisme, qui se nomme Dimashqiyah, Abdurrahman Dimashqiyah. Donc écoutez ce qu'il dit, on ne peut pas être plus clair que ça. Donc Inch'Allah, je vais vous laisser écouter et après Inch'Allah on va commenter. طبعا انا اقولها الان العرش تحت رب العالمين. انا اقول العرش تحت رب العالمين. سجل انا دمشقية اقول العرش تحت رب العالمين لأن الله فوق العرش. إيه؟ ما البأس في ذلك أبدا أبدا. ثبت أن الله عز وجل فوق العرش. فإن كان الله فوق العرش فالعرش تحت رب العالمين. هذا ما تقتضيه اللغة أيضا ثبت. هلا أنت لما تستوي على الحمار هل تكون بمعنى أنت أفضل من الحمار ولا أنت فوق حمار ومعناته الحمار تحتك؟ Donc voilà, je vous ai mis quelques illustrations assez parlantes de l'anthropomorphisme de cet homme. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a un homme sur un âne. Donc à la fin de l'audio, donc vous avez bien entendu, en toute décontraction, il compare Allah Ta'ala à un homme qui serait sur un âne. Donc il compare Allah Ta'ala à un homme et il compare le arsh à un âne. Voilà. Alors je pense qu'il a dû oublier le verset où Allah Ta'ala dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, ce qui signifie ne donnez pas à Allah des semblables. En plus, il parle en son nom. Il dit bien Ana Dimashqiyah Aqul. Il dit c'est moi qui le dis. Donc il ne prend aucune référence ni du Coran, ni de la Sunna, ni des savants du Salaf al-Salih, ni des savants qui sont venus après, du Khalaf. Donc les savants de Ahlus sunnati wal Jama'a. Alors, sachez bien que cet égaré est en totale contradiction avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Anta al-awwalu falaysa qablaka shay, Anta al-akhiru falaysa ba'daka shay, Anta al-zahiru falaysa fawqaka shay, wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Ce qui signifie: tu es al-awwal, donc il n'y a rien avant toi. Tu es al-akhir, donc il n'y a rien après toi. Tu es al-zahir, donc il n'y a rien au-dessus de toi. Tu es al-batin, donc il n'y a rien en dessous de toi. Rapporté par Muslim. Bon, je vous mets le scan du livre intitulé Al-Asma'i was-Sifat de l'imam Al-Bayhaqi. Donc, je cite, il dit dans ce passage: فلا يصح إدراكها بالكون في مكان, واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. Donc je traduis. En fait, il explique la fin du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie: tu es al-zahir, donc il n'y a rien au-dessus de toi. Tu es al-batin, donc il n'y a rien en dessous de toi. Et il enchaîne en disant que si il n'y a rien au-dessus de lui et rien en dessous de lui, donc il n'est pas localisé dans un endroit. Et il dit donc que les compagnons radiyallahu anhum se sont basés sur ce hadith pour exempter Allah Ta'ala de l'endroit. Donc Abdurrahman Dimashqiyah, ce que tu dis, on n'en a que faire. Ce qui nous importe, nous, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des savants tels que Al-Bayhaqi rahimahullahu Ta'ala, qui est quand même un très grand hafiz, qui est mort en 458 de l'Hégire, donc une très grande référence connue de toute la communauté musulmane. Alors, ensuite, on m'a accusé d'avoir menti au sujet de Abu Bakr al-Jazairi, concernant le fait qu'il aurait dit dans un de ses livres qui s'intitule « La voix du musulman » que Allah Ta'ala s'assoit. Donc j'ai attribué à Abu Bakr al-Jazairi d'avoir mentionné dans son livre le terme al-julus concernant Allah Ta'ala. Donc bien entendu, cette expression ne figure plus dans les éditions récentes, puisque je l'avais lu dans une très ancienne édition. Alors ils en ont profité pour m'attaquer sur ça. Alors il faut savoir qu'ils n'ont que ça, hein. Alors ils s'accrochent en fait sur cette petite erreur, hein, de toute leur force, parce qu'ils n'ont aucun argument. Et combien même je peux me tromper, car je l'ai vu il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Donc je l'avouerai, hein, si je me trompe, Inch'Allah, je l'avouerai. Et vous voulez que je vous dise une chose, les pseudo-salafis, hein, si l'expression al-julus ne figure dans aucun de ces livres, j'en serais ravi. J'en serais totalement ravi. Mais n'allez pas dire que j'ai voulu mentir volontairement, vous n'avez trouvé que ça pour m'attaquer. Alors ensuite, ils disent se désavouer de tous ceux qui attribueraient à Allah Ta'ala la position assise, al-julus. Parce que comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes audios, ils sont passés à une nouvelle version, ils disent que l'istiwa de Allah veut dire l'élévation. L'élévation d'Allah au-dessus de son trône, donc la hauteur. Parce qu'en fait, l'ancien terme, ça leur convenait plus. C'était devenu trop flagrant. Donc d'après eux, Allah Ta'ala s'est élevé au-dessus du trône et ils considèrent que l'élévation, donc la hauteur, est une perfection concernant Allah. Donc j'ai une petite question à vous poser, les wahhabites. Le fait de dire l'istiwa veut dire al-irtifa, hein, al-irtifa qui est l'élévation. Est-ce pour vous une interprétation? Donc je vais vous répondre, parce que vous répondez jamais. Donc oui, c'est une interprétation, hein. Donc vous dites que l'istiwa veut dire al-irtifa qui signifie l'élévation. Donc c'est une interprétation, mais qui tourne toujours autour de l'anthropomorphisme. Parce que l'istiwa, il a aussi cette signification, mais en ce qui concerne le soleil, par exemple, hein, on peut dire que le soleil s'élève. Donc je vous ai mis une magnifique image là, donc regardez ce magnifique soleil qui s'élève à l'horizon. Donc voilà, en fait, le terme istiwa peut donc s'appliquer pour le soleil. De plus, vous considérez que la hauteur, l'élévation, est signe de perfection concernant Allah Ta'ala. Alors, je vais, Inch'Allah Ta'ala, dans une prochaine audio, vous citer un hadith équivoque qui, si on le prend au sens apparent, voudrait dire que Allah Ta'ala descend au premier ciel. Donc, j'ai une petite question à vous poser. La descente, c'est synonyme de perfection pour vous? Alors j'ai une autre question à vous poser, les pseudo-salafis, en ce qui concerne la hauteur. Vous considérez donc que la hauteur est un signe de perfection ou de haut degré? Les anges habitent où? Dans le ciel. Et les prophètes, ils sont où? Dans leur tombe. Qui d'entre ces créatures se trouve le plus élevé au niveau hauteur? Les anges ou les prophètes? Qui d'entre ces créatures ont le plus haut degré de perfection? Alors bien entendu les prophètes, car Allah Ta'ala dit wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, ce qui signifie et nous les avons élevés de parmi toutes les créatures. Donc élevés dans le sens du degré. Pourtant, les anges sont au-dessus des prophètes au niveau de la hauteur, puisque les prophètes sont dans leur tombe. Alors, maintenant, je vais vous faire écouter un de leurs prétendants, qui se nomme A'id al-Qarani. Donc écoutez, c'est assez édifiant, et à la fois assez révélateur de leur anthropomorphisme. كما أخبر عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى هو صاحب العرش الذي يجلس على العرش لا إله إلا هو لا نعبد. Donc, commencez déjà pour vous désavouer de cet individu, donc très très actif, hein. Donc les pseudo-salafis profitent de sa jeunesse. Donc il était en tournée, je ne sais pas s'il est encore ici, il était en tournée en France, il est parti en Algérie il y a aussi quelques temps. Et donc écoutez ce qu'il dit en toute décontraction, hein, comme ses acolytes. Hein. Donc il dit que Allah Ta'ala est assis sur le trône. Et il attribue ça, hein, il attribue cette parole au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on se demande où est le hadith. Hein. Bon, moi je vais vous répondre tout de suite. Hein. Il n'y a pas de hadith. Il n'y a aucun hadith qui stipule que Allah Ta'ala jalisun ala l'arsh. Bon, maintenant on va passer à un personnage qui va encore plus loin. Alors, devinez qui? Ben, leur référence la plus ancienne, leur référence phare, Ahmed ibn Taymiyyah. Alors, je vous ai mis quelques scans. Donc là, il s'agit du livre intitulé Al-Asma wa Sifat, dans Majmou' al-Fatawa, volume 5, page 527. Alors, il attribue cette parole au prophète. Il dit, je cite, ainsi, si la position assise du mort dans sa tombe n'est pas telle que la position assise du corps, alors ce qui est parvenu du prophète au sujet des mots Qu'oud et Julous au sujet de Allah, comme le hadith de Ja'far ibn Abi Talib et de Omar ibn al-Khattab et d'autres que ces deux-là, est prioritaire sur le fait de ne pas faire ressembler ceci aux attributs des esclaves. Fin de citation. Hein, donc il attribue à Allah al-qu'u'ud et al-julus, qui sont la position assise, il attribue ça au prophète, et il ment aussi sur deux compagnons, Ja'far ibn Abi Talib et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum. Vous vous rendez compte jusqu'à où ils vont? Alors ensuite, ça c'est son livre intitulé Mufassal i'tiqad, dans ses Majmou' al-Fatawa, volume 4, page 734. Alors là, il dit carrément que Dieu fera asseoir le prophète Muhammad avec lui sur le trône. Et il attribue cette parole à Mujahid, qui était l'élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hein, qui était surnommé Turjuman al-Qur'an. Alors bien entendu, Mujahid et Ibn Abbas sont innocents des paroles de cet égaré. Alors ensuite, ça c'est son Majmou' al-Fatawa encore, volume 5, page 406. Alors accrochez-vous. Alors il tente là de justifier sa croyance que Dieu est dans le ciel par le fait qu'il serait mentionné dans l'évangile falsifié. Alors il dit cette phrase qu'on retrouve dans l'évangile falsifié, votre Père qui êtes aux cieux. Alors voilà, pour lui cette phrase qui figure dans l'évangile falsifié constitue une preuve, hein, constitue une preuve que Allah Ta'ala serait dans le ciel. Bon, les wahhabites, écoutez-moi bien. On a notre dogme, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. On remercie Allah Ta'ala de ce bienfait. De plus, quand j'entends dire que cet homme est le plus grand savant que l'islam n'ait jamais connu, excusez-moi de l'expression, mais j'ai envie de gerber. Donc vous voyez bien, il attribue clairement à Allah Ta'ala la position assise et il n'hésite même pas à piocher dans l'évangile falsifié. Donc je vais vous dire ces gens ce qu'ils veulent. Ils ont voulu faire un remix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Ils veulent absolument nous refourguer cette croyance corrompue. De plus, cet homme qui apparut au 8e siècle de l'Hégire est en totale contradiction avec les savants du Salaf al-Salih. Donc là, il s'agit de l'imam Abu Hanifa. Donc voici son livre, Al-Wasiyah. Donc en page 81 de notre édition. Il dit, je cite, « Nous récitons que Dieu istawa ala le trône sans qu'il ait un besoin, ou qu'il soit établi sur le trône. Il est le protecteur du trône, ou d'autre que cela, sans qu'il ait un besoin. Car s'il avait un besoin, il n'aurait pas pu faire exister le monde, ni ce qui lui advient, comme les créatures. Et s'il avait le besoin de s'asseoir, al-julus, et de s'établir, istiqrar, alors avant de créer le trône, où donc aurait-il été? Dieu est exempt de ce que lui attribuent les injustes. » Fin de citation. Donc, on n'a pas attendu le 8e siècle de l'Hégire pour avoir un Shaykhul Islam. Alhamdulillah, les savants du Salaf al-Salih sont les plus éminents savants après les compagnons, radiyallahu anhum. Ensuite, l'imam Abu Hanifa donc, explique la parole de l'imam Ja'far al Sadiq, qui était aussi un savant du Salaf. Donc, il explique que Allah Ta'ala, il est exempt des besoins, de la position assise, de l'établissement, et il est aussi exempt de l'endroit et du temps. Donc, en bas, après vous voyez donc les surlignances, là, en rose et en rouge. Donc, en rose, la parole de l'imam Abu Ja'far al-Sadiq, condensée. Donc, Laysa min shay'in, aw fi shay'in, aw ala shay'in. Ce qui signifie que Allah Ta'ala n'est pas d'une chose, ni sur quelque chose, ni dans quelque chose. Voilà. Donc, après, il explique que s'il était donc d'une chose, c'est qu'il serait créé. Et s'il serait dans une chose, c'est qu'il serait donc entouré, limité, et s'il était sur une chose, il serait porté. Bon, j'espère que vous voyez à qui vous avez affaire, à des gens qui veulent absolument se cacher derrière l'appellation de salafi, pour mieux noyer les gens dans leur mascarade. Sur ce, barakallahu fikum de m'avoir écouté, je vous dis à très très bientôt, wallahu a'lam wa ahkam. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته